La sagesse Ogma vient du monde Asilut, le monde de l'émanation. Il y a quatre mondes. Asilut qui est le monde, le premier monde, le monde le plus élevé, où il n'y a pas de question qui est posée. C'est directement la sagesse du concepteur de l'univers. En dessous de ça, vous avez Beria, la création. En dessous de ça, vous avez Yetira, le monde de la formation. En dessous de ça, vous avez Asiya, le monde de l'action dans lequel on vit. Là, je parle de la sagesse, Hokma, qui est le père dans les forces kabbalistiques. C'est le père. Et la façon que la sagesse fonctionne, elle ne se pose pas de questions, car elle est directe, elle va droit au but. Et tout est clair. Mais vous avez la Bina, qui est l'intelligence. Et la Bina, c'est la mère. Et cette intelligence fonctionne avec l'intuition. Donc la femme, elle a le pouvoir de la Bina, de cette intelligence, de cette intuition. Mais voyez-vous, la première intuition qu'elle reçoit, l'information qu'elle a, lui permet de se poser des questions, de travailler cette intelligence pour en venir à la conclusion qu'elle doit aller à l'opposé de la première intuition qu'elle avait. Et c'est seulement la femme, la mère, qui a ce pouvoir de revenir dans l'intuition à l'opposé de la première intuition qu'elle avait. Donc, elle reçoit l'information, elle a une première intuition, et ensuite, elle se pose plusieurs questions, elle travaille cette intuition, et à un moment donné, elle arrive à la conclusion que c'est l'opposé de son intuition qui est la bonne intuition. Voilà la différence entre la Hokma, la sagesse, et Bina, l'intelligence. La Hokma, qui est le père, la sagesse, le fonctionnement direct, on reçoit, c'est ça, that's it, c'est bon. Et vous avez Bina, qui est l'intelligence intuitive, reçoit l'information, travaille cette information et arrive à retourner le tout à l'envers pour réaliser que c'est en fait l'opposé. Si vous aimez nos podcasts, Jean-Henri Wasséchard TV, suivez-nous. Je vois que tes affaires vont bien. Salut, Johnny Superstar. Salut, Johnny. Hey, what's up, Johnny? Hi, Johnny. Yo, what's up, Johnny? Tu dois rester loyauté et obéissance.